D'abord, il y a l'aîné, lui qui est comme un melon, lui qui a un gros nez, lui qui sait plus son nom, Dieu, tellement qu'il boit, ou tellement qu'il a bu, qui fait rien de ses dix doigts, mais lui qui n'en peut plus, lui qui est complètement cuit, et qui se prend pour le roi, qui se saoule toutes les nuits avec du mauvais vin, et qu'on retrouve matin dans l'église qui roupille raide comme une saillie, blanc comme un cierge de Pâques, et qui balbutie et qui a l'œil qui divague. Faut vous dire, monsieur, que chez ces gens-là, on ne pense pas, monsieur. On ne pense pas. On prie. Et puis il y a l'autre, des carottes dans les cheveux, qui a jamais vu un peigne, qui est méchant comme une teigne, même qui donnerait sa chemise à des pauvres gens heureux. Qui a marié la Denise, une fille de la ville, enfin, d'une autre ville, qui fait ses petites affaires, avec son petit chapeau, avec son petit manteau, avec sa petite tanteau, qui aimerait bien avoir l'air, mais qui n'a pas l'air du tout. Faut pas jouer les riches quand on n'a pas le sou. Pour vous dire, monsieur, que chez ces gens-là, on ne vit pas, monsieur. On ne vit pas. On triche. Et puis, il y a les autres, la mère, qui ne dit rien, ou bien n'importe quoi. Et du soir au matin, sous sa belle gueule d'apôtre et dans son cadre en bois, il y a la moustache du père, qui est mort d'une glissade et qui regarde son troupeau bouffer la soupe froide. Et ça fait des grands. Et ça fait des grands. Et puis il y a la toute vieille, qu'on finit pas de vibrer, et qu'on attend qu'elle crève, vu que c'est elle qui a l'oseille, et qu'on n'écoute même pas ce que ses pauvres mains racontent. Faut vous dire, monsieur, que chez ces gens-là, on ne cause pas, monsieur, non, on ne cause pas, mais on compte. Et puis, il y a Frida, qui est belle comme un soleil, et qui m'aime pareil que moi j'aime Frida. Même qu'on aurait une maison, avec des tas de fenêtres, avec presque pas de mur, et qu'on vivra dedans, et qu'il fera bon y être. Et que si c'est pas sûr, c'est quand même peut-être. Parce que les autres veulent pas, parce que les autres veulent pas. Les autres, ils disent comme ça, qu'elle est trop belle pour moi, que je suis juste bon à égorger les chats, j'ai jamais tué de chat. Ou alors il y a longtemps, ou bien j'ai oublié, ou ils sentaient pas bon, enfin ils veulent pas. Parfois, quand on se voit, semblant que c'est pas exprès, elle dit qu'elle s'en ira, elle dit qu'elle me suivra. Alors, pour un instant seulement, alors moi je la crois, monsieur, pour un instant seulement, parce que chez ces gens-là, monsieur, on s'en va pas, monsieur, mais il est tard, monsieur, il faut que je rentre chez moi.